The Tanya Ba'ashri Rabbi, the Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amar Rabbi Yosef ben Shaul, Amar Rabbi Mishum Kahala Kadisha de Yerushalayim, au nom de Kahala, le Kahal Kadosh de Yerushalayim, Rabbi Shimon ve Chavira Amru, Alacha ke Rabbi Meir. L'Alacha est comme Rabbi Meir. Alors d'abord, la Gemara demande sur ça, en parenthèse, une question. C'est écrit le Kahala Kadisha de Yerushalayim. Ici, ils disent que Rabbi Shimon et ses collègues ont dit que l'Alacha comme Rabbi Meir. Mais la Gemara dit, Vaha Inhu, ce fameux Kadisha, Kahala Kadisha de Yerushalayim, Kshishe Minei. Ils sont plus vieux que Rabbi Shimon. C'est vrai que s'ils sont plus vieux, ils sont plus anciens, une génération plus ancienne, ils ne vont pas citer des jeunes. Ils vont pas dire, bon, l'Alacha c'est comme les jeunes. Normalement, ça ne marche pas comme ça. Ils sont beaucoup plus anciens que eux, que Rabbi Shimon et ses collègues. Elle a plutôt, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Shitat Rabbi Meir Amroua. Ils sont en train de dire que quand Rabbi Shimon ben Menasseh et ses collègues, ils ont dit que c'est interdit d'inspecter un moum d'un Bechor pendant Yom Tov, en fin de compte, cette Shita, c'est la Shita de Rabbi Meir, d'Etznan, comme on va voir dans la Mishnah qui suit. Hashochet et Abechor, quelqu'un qui a fait la Shita d'un Bechor pendant Yom Tov, après qu'il a fait la Shita, il a montré le Bechor, il a montré le Moum à un Moumre. Alors, apparemment, il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire, parce qu'on a dit qu'un Bechor, d'abord, il est Kadosh. Un Bechor, il appartient au Kohen. Et s'il y avait, autant qu'il y avait le temple, alors le Kohen prenait le Bechor, il offrait le Bechor en tant qu'offrande, et puis la majorité de l'animal lui revenait, c'était à lui, mais c'était une offrande. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Beit Hamikdash, comment on fait? Ça appartient au Kohen. Et le Kohen ne peut pas le manger tant qu'il n'y a pas un moum, une blessure, un défaut kavua. C'est pas un truc transitoire, un truc permanent. Et on a besoin. Extérieur ou intérieur, s'il vous plaît? C'est pas important. Mais ça doit être un moum qui est kavua, dans le sens que c'est considéré. Il y a des halakhot, il y a des définitions. Non, mais c'est quand il a fait la shrita, des fois, c'est pas une question de tréfa, c'est pas une question de taref. Non, il n'y a pas cette tréfa, mais si on... Normalement, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, voilà. Et on montre ça à un moumré, c'est le moumré qui doit déclarer si ce moum il est kavua ou s'il est haraï. S'il est kavua, alors le petit, le coin, il peut se mettre à table et manger le bechor. Sinon, non. On avait dit qu'aujourd'hui, c'est grave de manger un bechor qui a une sainteté, qui n'a pas un moum aujourd'hui. C'est grave, celui qui fait ça, il reçoit karet. Très grave. Mais comment ils font? Comment on fait aujourd'hui? Les éleveurs de troupeaux, je pense, ils font une espèce de combine et ils font une shoot-foot avec un goy, de sorte que le troupeau entier appartient aussi bien aux juifs qu'aux goy. Et s'il y a un animal qui appartient aussi bien qu'à un juif qu'un goy, il n'est pas tout et exempt de la mitzvah de Bechor. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on arrive à résoudre le problème. On laisse les goy. Hein? On laisse les Kohen. De toute façon, les Kohen, ils vont avoir un problème. Parce que le Kohen, ils vont recevoir plein d'animaux et il ne peut pas les manger tant qu'ils n'ont pas un moum. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va élever des animaux toute sa vie. C'est pas évident pour le Kohen. De toute façon, c'est comme ça que ça se passait. Voilà. Quand on faisait l'abattage d'un para ou d'un. Et s'il n'est pas il demandait directement, c'est un erreur qu'il prenait entièrement. Alors, donc, il n'y a rien de. Il n'avait pas vu expertiser une bête pour le Yom Tov. Justement, une machloket, c'est la grande machloket. On est en train maintenant d'essayer de voir qui c'est quoi la lacha. Machloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda Nassi. Et Rabbi Shimon ben Menasseh, on avait vu plus, c'est une grande machloket. Rabbi Shimon ben Fazi. On avait vu dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Oui.
Après, on avait vu plus tard une braïta entre Rabbi Yehuda Nassi qui dit qu'on peut et Rabbi Shimon ben Benassia qui est ici, qui on se cite ici, qui dit qu'on ne peut pas. Et il savait que Rabbi Shimon ben Benassia qui dit qu'on ne peut pas. Ah, tiens, Benassia, comment on a fait ? Je ne sais pas. Mais de toute façon, la Gemara dit que. Bah, on va voir. Detzna, il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Ashochet tabechon. Quelqu'un qui a égorgé un bechon pendant Yom Tov, et achakachera numo. Et seulement après. Il a égorgé la bête, il montre, avant de manger, il dit, bon, écoute, il montre ça à un expert, un moumré, est-ce que ce moum, il est kavua ou pas? Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda, il permet d'inspecter le moum, et s'il savait que le moum, il est kavua, il permet de manger la bête, le bechon. Et c'est qui peut manger le bechon? Encore une fois, c'est mon Kohen. Rabbi Meir... C'est sûrement le Kohen. Hein? Si le Kohen, il m'invite à cette table, je peux manger avec lui. Non, c'est pas le Kohen. C'est comme un bien, c'est un bien qui appartient à un Kohen. Le Kohen, il peut vendre une chaise, c'est sa chaise, il peut le vendre à qui il veut. Et je pense que c'est la même chose, un Bechor, mais il faut vérifier. D'accord, seulement un Bechor qui a un nom, parce que si c'est le Bechor... Ça, c'est une offrande, c'est une offrande. Un Bechor qui l'a, si il a le Beit HaMikdash, c'est le Bechor, il n'a pas un boum, alors c'est une offrande à part entière. Oui, mais le Kohen, il a une part. Il a une part et l'autre. Mais lui, cette part-là, il ne peut pas la donner. Non, c'est Kadosh, Mamash. Mais Rabbi Meir, Omer, Ho'il Venishrat. Encore une fois, nous, on parle d'un cas. La question a été qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a un moum? Une fois qu'il a un moum, le Kohen, la même façon que lui, il peut manger la bête, il peut aussi la transmettre à quelqu'un d'autre. Et tant qu'il n'y a pas de moum, personne ne peut toucher, le Kohen ne peut pas, et personne ne peut toucher, il est kadosh. Comment il a pu faire la shrita de ce Bechor avant la... Il a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, c'était pas bien. Oui. Il a fait la shrita, mais il n'a pas encore mangé. Après que l'animal est mort, il a montré l'animal à un expert, un moumré. Il dit, regarde le moum, est-ce que ce moum il est kadosh ou pas? Rabbi Yehuda Matir, il permet. Rabbi Meir Omer, Ho'il Venishrat. Shelo al pimumche assur, comme Rabbi Meir dit, comme cet animal a été égorgé sans l'autorisation qui a précédé d'un mumche, interdiction de le manger, de le faire inspecter. As alma, on voit que ça va Rabbi Meir, reyat bechor lav ke reyat trefa. On voit que pour Rabbi Meir, l'inspection du mum du bechor, c'est pas du tout comme l'inspection qu'on fait pour voir, pour déterminer si l'animal est taref. Reyat bechor mechaim, parce que l'inspection du bechor doit se dérouler avant que la bête a été soumise à shrita, tant que la bête est vivante, tandis que reyat trefa la shrita, tandis que l'inspection de trefa pour voir si la bête est taref, ça se passe après. Ça peut, oui. Umina, et de là on déduit. Reyat trefa afilu be yom tov, que inspecter une bête s'il est taref ou pas, on peut le faire même pendant yom tov, parce que tu as fait shrita, après tu regardes si tu savais que la bête elle est taref ou pas. Tandis que reyat bechor, comme reyat bechor c'est quelque chose qu'on peut seulement faire avant la shrita, et donc c'est très important. Donc en fin de compte, on voit que reyat bechor c'est équivalent à l'étaken kli, on avait dit tikkun. Tu fais en sorte que l'animal, maintenant, tu le rends utilisable. Ou c'est comme si tu passes jugement, tu dis ce bechor, en fin de compte, le moum, il est kavua, il est permis. Le bechor, auparavant, il était hors combat, il était inaccessible. Et quand le moumré dit, il déclare que ce moum, il est kavua, est-ce qu'il lui passe jugement? Alors, c'est pour ça que Riyad Bechor, mais Erev Yom Tov. C'est ça, on peut seulement faire Erev Yom Tov. Il y a une possibilité de réparation ou pas? C'est-à-dire qu'il a un moum, mais je peux le réparer. On appelle le vétérinaire qui traite la bête. Non, un moum, kavua, par définition,
Par définition, si tu me plais, qu'on ne peut pas. Si tu ne mets pas, comment on dit, sur un train. Ouais, on ne peut pas faire. Non. Pourtant, la médecine, en principe, fait des miracles. Hein. Regarde le Rashi. Regardez juste un Rashi. Le Rashi qui dit Umina. Vous voyez la ligne du Rashi qui commence sur le mot Shrita. Il y a à peu près 10 lignes d'en bas de la page, 12 lignes. Ça commence le mot Shrita, puis Mina. Vous voyez Mina? Umina, de là j'apprends, Mimena, l'âme de Rabbi Shimon ben Menassé. Ils ont déduit de l'enseignement de Rabbi Meir. Mimena, l'âme de Rabbi Shimon ben Menassé, avec Rabbi Rabamou. Kevan de Chashiv Kulehai. Comme l'inspection est tellement importante, Havelek Metaken. C'est comme s'il est Metaken. Vekedan Din. Et c'est comme si justement il passe le jugement. Vasul Iroto Beyontov. En dépit du fait qu'on peut, oui, pendant Yom Tov, vérifier si l'animal est taref. C'est sur ça qu'on a dit, attends une seconde, Chaim, c'est sur ça qu'on a dit que cet enseignement, cet halakha, est basé sur des cordes épaisses et longues. Parce que Rabbi Shimon ben Menasse qui dit que c'est interdit d'inspecter un moum d'un bechor en Yom Tov. En fin de compte, il se base sur le fameux Rabbi Meir. Et pas seulement Rabbi Meir, mais aussi Rabbi Shimon ben Yochai. Et comme Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Meir, il savait que Rabbi Meir et Rabbi Shimon ben Yochai sont d'accord. Et ça, c'est les cordes épaisses et longues dont on a fait allusion. Et donc Rabbi Yehuda, contre eux, il est Yachid, parce que Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Meir sont deux contre un. Ve'ein dvarav shel echad bimkom shnayim. Et donc forcément, on sait que Yachid ve Rabbim, alacha ki Rabbim. Donc c'est pour ça qu'on dit, tu sais quoi, on a déjà deux grands sages, Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Meir, qui disent que c'est interdit d'inspecter. Et Rabbi Yehuda dit que c'est permis. On va forcément aller tous les trois d'Amoraïm. Non, de Tanaïm. Tanaïm. Rav, s'il vous plaît. Oui. Si on fait la shrita, le Bechor, il est. La veille, on a vu qu'il était. Il a un Bimoum, Bishindara. Maintenant, on fait la shrita. Mais une fois qu'on fait la shrita. Non. Regardez-moi, voilà. Une fois qu'on a fait la shrita, il faut faire la bdika pour voir s'il n'est pas terrestre. Ça, c'est autrui, bien sûr. Non, mais d'accord. Alors, qui c'est qui fait le contrôler, faire la bdika? Est-ce que c'est un moumpré ou bien le Kohen? Non, le Kohen, il n'est pas dans l'affaire. Qui fait la shrita? Non, n'importe qui est en position de voir, de reconnaître si l'animal est tarif ou pas. Non, mais. N'importe qui. Contrôle, c'est rien à voir avec le Bechor. Le tarif. Donc, ce n'est pas un moumpré. Non. C'est quelqu'un qui doit être en position de reconnaître un très fort. Non, c'est très fort. Mais c'est pas un moumré. Un moumré, c'est quelqu'un qui il a besoin du brevet. Il a besoin d'un truc. Il a comme une. Un certificat qu'il est un moumré. Ouais. Ok, donc ça, c'est apparemment, on voit bien que Rabbi Meir, lui, il dit que c'est super important. Et donc, on a une preuve que, voilà, que la lacha, c'est comme ça. Alors, maintenant, on conteste. Amarle Abaya. Atu Hatem, mais là-bas, dans la marque de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Beroin Moumin Plié, est-ce qu'ils sont vraiment en train de se disputer sur oui ou non on a le droit d'inspecter un Moum pendant Yom Tov? Beknas Plié. En fin de compte, le sujet de la marque, c'est est-ce qu'on va imposer une amende sur celui qui a fait la Shrita du Bechor avant l'inspection? Est-ce qu'on a besoin de lui donner, de coller une amende ou pas? D'Amar Rabbi Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Bedukin Sheba'ain, en ce qui concerne les blessures dans l'œil, Kuli Alma l'oplié. Tout le monde est d'accord de Assur. C'est quoi Assur? Même Rabbi Yehuda est d'accord. C'est quoi Assur? On ne peut pas égorger un animal. Et après, on va voir si on va voir la blessure dont on parle, la plaie dont on parle, c'est une plaie qui se trouve dans l'œil. Ça, on ne peut pas faire. Pourquoi on ne peut pas faire? Parce que entre avant la shrita et après la shrita, la blessure qui est dans l'œil, elle change. La blessure qui est dans l'œil, c'est un truc qui peut changer.
Donc même si avant la shrita, ça avait l'air comme... peut-être c'était en fin de compte un truc qui était à rail. C'était une blessure qui avait été à rail. Passagère. Après la shrita, c'est concevable que la même blessure, elle change. Après qu'elle est morte, elle a l'air comme elle devient kavua. Donc en ce qui concerne les blessures dans l'œil, tout le monde est d'accord que si le moum en question, c'est un moum qui était connecté à l'œil, si tu as fait la shrita avant l'inspection, c'est assourd. Même Rabbi Yehuda est d'accord que c'est assourd. Dans les mots, Bedukin Sheba'ain, les blessures dans les yeux, Kuli Almelo Plig, et tout le monde est d'accord de assourd Meshum de Mishtanin, parce que ces blessures dans les yeux, ça change avant la mort et après la mort. Qui plige, où est-ce qu'il y a une machloket? Bemoumin chez Begouf, en ce qui concerne les blessures ou les plaies dans le corps. Parce que normalement, les plaies dans le corps, ça ne change pas avant la shrita, après la shrita. La même plaie qui a eu lieu avant, qui était là avant la shrita, elle reste, elle ne va pas être transformée après la shrita. Ce n'est pas comme un truc dans l'œil. Une blessure dans l'œil, ça risque de changer entre le moment qu'il était vivant et après qu'il a été tué. Ça risque de changer, donc c'est pas un néhéma. Mais une blessure dans le corps, ça ne change pas. Alors là, il y a une machloket. Rabbi Meir Savar Gazrinen Moumin Shebegouf At Moumin Shebe'ain. Rabbi Meir, lui, dit qu'on va interdire d'inspecter les plaies, le moum dans le corps après la shrita à cause des Moumin Shebe'ain. C'est-à-dire que si tu permets d'inspecter après la shrita d'un bachor, un moum dans le corps de l'animal, on sait que ça ne change pas, ça devrait être kasher. Mais tu risques aussi d'inspecter les moumines qui sont dans les yeux. Et ça, c'est interdit parce que ça change. Donc il dit, on fait une xéra, on interdit l'inspecteur, Rabbi Meir dit, on interdit l'inspecteur, même les moumines chez Bahreïn, Begouf. Mais Rabbi Yehuda, ça va, Logazrinen. Et Rabbi Yehuda dit, non, on ne fait pas de xéra. Si c'est une plaie qui concerne le corps de l'animal, tu peux même inspecter Bidiabad après la shrita. Donc, de toute façon, c'est intérieur, je ne vois pas comment. Non, ce n'est pas l'intérieur, c'est l'extérieur. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Matniti Nami Daika. Tu peux aussi déduire de notre Mishnah que c'est de là dont on parle. Le Ketanis, comme c'est enseigné, Rabbi Meir Omer, Oil Venishchat, Shelo Alpi Mumche Asur, Shmamina, Knasahu, de Kakanis Shmamina. C'est écrit dans la Mishnah qu'on avait apporté que Rabbi Meir, lui, dit, Oil Venishchat, Shelo Alpi Mumche, comme l'animal a été égorgé sans l'autorisation qui a précédé du Mumche, à cause de ça, c'est interdit. Shmamina, de là, j'entends de ce langage que on parle d'une amende. On lui dit, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, on te colle une amende, knasehu, de kakanish mamine. Parce que si c'était un problème de base, il aurait dit, Rabbi Meir, au serre. C'est été écrit dans le langage de la Braïta. Rabbi Meir, Omer, au serre, ou au serre, berosh nishat, blib, dikat mumre. Mais il ne dit pas ça, il dit, comme ça a été fait à cause de. Alors c'est interdit. Alors, ce langage, c'est un langage qui donne l'impression, qui nous fait comprendre qu'on parle ici d'une amende. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un étranger est venu, pas le propriétaire, il a pensé que ce bohor a été subi à une examination. Il a pensé, il s'est trompé, il a dit, il fait shrita. Après, il savait en fin de compte qu'il s'est trompé. L'animal, le bohor, n'a pas subi une examination. Alors, selon Rabbi Meir, ce serait permis au propriétaire de manger le coin de manger. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas lui donner une amende, ce n'est pas lui qui a fait la shrita. Donc, dans ce scénario, c'est possible que Rabbi Meir dise non, ça va. L'idée, la raison pour laquelle je te dis que tu n'as pas le droit de manger l'animal s'il a été égorgé avant, c'est une amende. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Et si on comprend ça comme ça, si on comprend Rabbi Meir comme ça, il savait qu'il permettrait aussi Bidiabad si c'est comme ça, je m'excuse. Alors il savait que la permission, l'autorisation d'un boum
c'est pas tellement important. C'est pas metaken. Pourquoi c'est pas metaken? Parce que même si tu as fait la shrita avant l'autorisation, tu peux faire l'autorisation, l'abdita après. Donc c'est pas vraiment mach metaken. Metaken, c'est prendre quelque chose qui tout est fait inutilisable et tu le rends utilisable. Mais ici, en fin de compte, il dit bon, c'est kasher. C'est simplement, on a besoin d'un truc technique. Le moumri t'a dit que c'est kasher. Et voilà. Et c'est pas, si c'est comme ça, c'est pas vraiment ce qu'on a cru penser était l'opinion de Rabbi Meir. Oh, oui. Oui, oui. Si c'est un boucher qui fait la shrita pour le tibou. Il peut, on parle d'un bechor. Non, mais je parle une question. Pour le tibou, pour toute la ville. Est-ce que c'est nécessaire l'inspection de la bête avant René, écoute. On parle ici d'un bechor. Oui, d'accord. J'ai attends compris. Un bechor, ce n'est pas pour toute la ville. Oui, c'est pour le Kohen. Uniquement pour le Kohen. Mais là, je parle maintenant pour le peuple d'Israël. Alors, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'obligation de faire une bdika de moum. On ne parle pas de moum ici. Bon, après la shrita, juste on va voir, on va dire tant qu'il n'est pas taref. Le vétérinaire est passé pour voir si vraiment la bête est correcte. Ok. Ça va, on continue ou il y a un problème? En train de parler, on va vous mettre au courant de ce qu'on doit parler. En fait, il n'y a pas de différence si c'est un animal. Non, un animal qui n'est pas béchor ou un béchor. Dans le sens que si jamais il y a un chien qui lui a bouffé l'oreille, admettons, table comme ça, ça devient. C'est pas interdit de faire la shrita et de la manger pour tout le monde. Et si c'est un béchor, qui est donc la bête elle revient en Corée, il n'a pas besoin de, il n'aurait pas besoin de, il ne serait pas obligé de faire l'expertise. Il pourrait faire la shrita directement. C'est arrivé pendant Yom Tov. Tu sais ce que je conseille? Je vais proposer, mais toi tu vas disposer. Je propose qu'on continue jusqu'à la Mishnah, c'est encore quelques lignes. Ah, c'était excellent. Et si tu as toujours ces questions, si tu as toujours la question, demande-la-moi à la fin, encore quelques lignes, on va voir. C'est possible qu'on va résoudre. Non, mais la question. On va éclaircir. La question, c'était de dire que c'est pas pareil, puisque quand c'est un animal qui n'est pas béchor, si c'est arrivé pendant Yom Tov, comme avant Yom Tov, elle était disponible, on pourrait la manger, alors que le béchor, qui n'était pas disponible avant. Yom Tov, si ça, elle a été endommagée pendant Yom Tov, comme elle n'était pas à Ben H. Marchot, elle n'était pas permise, donc on ne peut pas en disposer. Oui, parce que c'est mouxé. Parce que c'est mouxé. On continue dans la Gemara et une petite histoire. Ami Vardinaa, il y a un certain monsieur qui s'appelait Ami Vardinaa. Rashi dit qu'il y a deux possibilités. C'est quoi Vardinaa? Vardinaa, c'est la rose. En gros, c'est quelqu'un qui était très beau. On l'appelait Ami la rose. Il était beau comme une rose. Ou c'était quelqu'un qui venait, Rashi n'a pas l'autre possibilité, qui venait d'une ville qui s'appelle Vardina. Donc on l'appelle Ami qui vient de la ville de Vardina. On a deux options. J'aime bien la première option. De toute façon, Ami Vardina, hein, qu'est-ce qu'il était? Il était Chazei Bouch de Bein Nesiahab. C'était l'inspecteur de Moumim, des Bechorot, dans la maison du Bein Nassi, du Nassi. Le Nassi, c'était normalement quelqu'un assez riche. Il avait beaucoup de troupeaux. Et il avait quelqu'un, donc, un vétérinaire à plein temps. Oui, et c'était sa mission, c'était de Livdok Bechor. Mais le Nassi était Cohen? Non. Ah, le Nassi était Cohen? Non. Apparemment, non. Mais néanmoins, il voulait savoir si. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Il n'a pas précisé. Il faut évoquer une bonne question. Je ne sais pas. De toute façon, ce n'est pas tellement important. De toute façon, c'était le Moumré, c'était le Bodek Bechor du Nassi. Beyom Tava lo hava chazé. Alors, il avait l'habitude que pendant Yom Tov, il n'inspectait pas le Bechor qui est peut-être avec un Moum. Il ne faisait pas ça.
Atuv Amroulei le Rabbi Ami. Donc on est allé à Rabbi Ami. On lui a raconté, tu sais que Ami Bardinaa, il n'inspecte pas le Bechor. Amar le Shapir que Abid. Mais c'est bien ce qu'il fait. De l'Ochazé, le fait qu'il n'inspecte pas, c'est bien. En la Gemara demande, il y vraiment. Vehar Rabbi Ami Goufei Chazé. Mais nous, on sait que Rabbi Ami lui-même, il avait l'habitude d'inspecter le moum d'un Bechor pendant Yom Tov. Alors, comment c'est Rabbi Ami dit, c'est bien ce qu'il fait, qu'il refuse d'inspecter un Bechor. Rabbi Ami lui-même, il le faisait. On répond Rabbi Ami, qui chazé, mais est mort avec chazé. Non. Rabbi Ami, qu'est-ce qui se passe? Lui, il voyait la bête, il voyait le moum la veille de Yom Tov. On tourne en haut de la page suivante. Et pendant Yom Tov, il demandait au propriétaire de la bête, comment ce moum est venu. Donc, il savait que Rabbi Ami voyait la bête, il a vu la bête la veille de Yom Tov, il a vu le moum s'il était caboua pas, mais tout de même il demandait, il livrait. Il mettait le propriétaire de la bête à une interrogation pendant Yom Tov. Qui a, par exemple, le cas suivant, regardez juste le premier rachis en haut de la page avant qu'on continue. Ube Yom Tov Shayulei Kamashayel. Pamim Shaya Tarud Be'erev Yom Tov. Il y avait des fois que la veille de Yom Tov, il était pris par les préparations de Erev Yom Tov. Il n'avait pas le temps de vraiment enquêter le cas. Ou Mishira'a Hamoumin, et le moment qu'il voit le moum, c'était suffisant. Omer lo, lech achav, va-t'en, ve bar le macha, et reviens demain. Demain, c'est Yom Tov. Vaya sho'alo ala moum, ech balo. Et là, il demandait au propriétaire, dis-moi, comment ce moum, cette blessure, il est venu à la bête? Pourquoi? Mipne shenech shedu ha-kohanim ala bechorot. Parce qu'un Kohen, il est toujours suspect. Le Kohen est suspect en ce qui concerne cette histoire de blessure du Bechor. Parce qu'il est d'abord. Voilà. On les suspectait de eux-mêmes. Ils avaient eux-mêmes fait, ils étaient responsables de la blessure. Que d'Etznan, comme c'est enseigné dans une Mishnah. N'importe quelle blessure qui aurait pu être créée par un homme. Ro'ei Israël Neimanim. Les bergers qui sont des bergers qui sont non Kohen, qui ne sont pas des Kohanim, on les croit. Quand ils disent, bon, cette blessure s'est passée comme ça, comme ça, comme ça, on les croit. Tandis que Roé Kohanim, si le berger c'était un Kohen, un Némanim. Betsaïch Lavi Eidim, Shemeelam Balo. Le berger qui est Kohen, il dit, bon, ce truc c'est un accident, ça c'est pas comme ça. Pas de problème, apporte des témoins. Tant qu'il ne veut pas apporter des témoins, on ne le croit pas. Au Kohen. Parce qu'il est suspect de lui-même d'avoir fait ça. Attends, il n'y a plus de. Je suis pas d'accord, j'ai un problème. Comment? Où j'ai confiance? Quand Israël. J'ai confiance au Israël, parce qu'il n'est pas intéressé, l'Israël. Oui, non, mais comment dire? S'il a envie de tromper, il peut tromper. Qui? Il peut prendre la Félachrita, le Kohen. Oui. Il n'a pas besoin de lui faire un croche-patte ou de l'esquinter. Il apprend, malgré que ce soit interdit, si c'est un pochéa, il apprend, il a peur, et il ne demande rien à personne. Quand on lui demande, il dit oui, il avait un. Non, il a peur de la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi, il a peur de la Kadosh Baruch Hu? Il ne veut pas transgresser et recevoir carrette. Il ne veut pas manger un bachot et recevoir carrette. Mais il ment. Il dit que ça s'est passé comme ça. Mais non, il sait que la bête doit avoir un moum kavua. En lui, c'est dit dans sa tête. En fin de compte, c'est pas tellement grave comment le moum kavua s'est passé. Si moi je l'ai. Si, parce que c'est vrai, en fin de compte. Oui. C'est pas tellement important si c'est moi qui l'ai fait ou ça s'est fait de soi-même. L'important, c'est qu'elle va avoir un moum kavua. Alors il dit, tu sais quoi? Moi je vais blesser la bête. Après, je vais dire, tu sais quoi, rien. C'est possible, c'est concevable. C'est inconcevable que le type il va manger un bochor. Qu'il n'a pas. Ça, c'est Haïf Karel, le type. Alors, encore une fois. Dans les mots de la Gemara, as ki hava ki hadahu gavra, da aite bukh le kame de rabba. Il y avait un type qui a une fois apporté un bechor à rabba, à panya de ma'ale yom tabe. C'était la veille de Yom Tov. Hava yativ rabba ve kachayef reishay. Et c'était en ce moment-là que rabba était en train de chayef
Réchei, il se faisait un shampoing. Shampoing. Il faisait un shampoing parce qu'il se faisait beau pour se nettoyer pour Yom Tov. Et le type, il arrive au moment qu'il est en train de faire le shampoing. Dalei Eine, il a levé ses yeux vers Chazia le Moumé. Il a vu. À travers le savon, les boules de savon, tout ça. Il a vu le Moumé. Amar le Zilaïne, tu peux, va-t'en maintenant. Laisse-moi finir mon shampoing. Vetale Mahar, reviens demain. Mais il n'y a pas d'intimité. Qui ? Ben non, il y avait, tu sais, dans d'autres trucs, on puise de l'eau près de, du cuir. C'était à la belle époque. Alors, tu veux dire le Mahar ? Qui a dit le Mahar ? Quand le monsieur est retourné le lendemain ? Amar, hey, qui a dit ? Maintenant, raconte-moi comment cette blessure s'est passée. Amar, le Yahabe Shadian Sa'are, Behar Gis de Hutsa. Ce qui se passe, c'est que j'ai planté des grains d'orge de ce côté de la barrière. Il y avait une barrière avec des aiguilles comme des... Barbelés, disons. Des épines. Ah, épines, ça c'est le glace. Il y avait des épines et j'ai semé de l'orge de l'autre côté de la barrière avec des épines. Bahava Ihu et le Bochon, il était de l'autre côté. Bahidarkis. Bahada et de Bah et le Meichal. Pendant que l'animal a mangé, donc il a tendu sa tête pour manger la récolte d'orge qui avait poussé de l'autre côté, Ayel Reiche, sa tête est passée au-dessus de la barrière des épines, mais partait pour ça le sifvate. Il y avait justement une épine qui a blessé sa lèvre. Sa lèvre, et ça c'est devenu un mou. Donc il dit, c'est comme ça que ça s'est passé, d'une façon très innocente. Amale Dilma at Garamble, peut-être c'est toi qui as fait exprès. Est-ce que c'est concevable que tu as fait exprès de créer cette situation, que la récolte tu l'as fait pousser d'un côté, tu as mis le bord de l'autre côté, et tu as mis au milieu une barrière avec je ne sais pas quoi, barbe, avec des épines, et tout ça c'était un coup monté. Dilma at Garamble, Amale l'eau. Ma piton. Ou mena teimre, maintenant la grande demande en parenthèse, mena teimre de gramma à sceau. Comment on sait que gramma c'est interdit? C'est quoi gramma? Quelque chose qui a été entraîné. Voilà, c'est créer quelque chose indirectement. C'est pas lui-même qui a pris un couteau et qui a fait la blessure. Il a créé une situation dans laquelle la blessure va se faire. Ça s'appelle gramma, c'est indirect. Alors d'où est-ce qu'on sait que même d'une façon indirecte, on n'a pas le droit de créer un moum. Tanya s'est enseigné dans la Braïta. Moum lo yebo. C'est écrit moum lo yebo. Ein yelash lo yebo moum. Tout ce que je sais que. Il ne peut pas y avoir un moum. Minayin shelo yigrom lo al yadei daba acher. D'où est-ce que je sais qu'un monsieur ne peut pas, à travers quelque chose d'autre, créer, faire un moum? Par exemple, chez l'Oyavi Batsek, au Dveila, qui va apporter une espèce de pâte, il va attacher, il va coller la pâte à l'oreille, mais il y a Nirlo, un Gebe à Ozen, que des Chiavo, Kelev, mais il tleno. Qu'est-ce qui se passe après? Le chien, il va venir, il va avoir un morceau de pâte qui est collé à l'oreille, il va mordre la pâte, en attendant, il va faire un trou dans l'oreille de l'animal, et maintenant l'animal, il a un boum. D'où est-ce que on sait que ça, c'est interdit? Talmud l'omar, kol moum, parce que c'est écrit dans la Torah, kol moum, amar moum, v'amar kol moum. Donc le fait que la Torah dit moum, lo yé, et aussi elle répète, dit kol moum, c'est quoi? Qu'est-ce que ça ajoute quand on dit kol moum? Même un moum qui a été créé à travers gramme, d'une façon indirecte, même ça, c'est interdit. Et regardez juste, encore un rashi, at garantle, le rabbi il demande, c'est le rabbi qui donc peut-être c'est toi qui est responsable de ce moum. Regardez le Rashi qui dit At garantle. Midat natata haseorim sham. Tu as fait exprès de planter l'orge de ce côté. Pourquoi? Shenershadatem à la Bechorot. Parce que vous, les Kohanim, vous êtes suspects en ce qui concerne le Bechor. Pourquoi? Mais Torah hagidul vayetzia. À cause du casse-tête. À cause de tout. C'est vraiment très embêtant pour le Kohen. Parce qu'il va devoir élever ce Bechor. Chez Israël, il n'y a pas de tapel,
אלא שלושה חודשים ותנו לכהן. Vous entendez? Le berger qui est Israël, qui a un troupeau. Alors c'est pas seulement les premiers trois mois qu'il y a un berger qui est censé s'occuper du berger et tout bébé les premiers trois mois. Après, il donne ça au Kohen. Maintenant, le Kohen, il reçoit cet animal, le berger, après trois mois. Et voilà. Alors, et s'il n'a pas un moum, c'est sa responsabilité d'élever cette bête. Et il peut être, c'est possible qu'il n'a jamais pour la manger. Donc il s'est tapé un berger à vie qui va s'occuper d'élever ses animaux. Bah, bon, attendant, il peut l'utiliser pour la traite. Il peut pas les manger, oui. Non, il ne peut pas manger. Il peut le brûler, c'est hors là. C'est pour le brûler complètement pour acheter. Non. Non, le berger, c'est il y a un élément de l'offrande qui est mis sur le misbeach. Et l'autre, c'est mangé par le Kohen. C'est mangé. La majorité de l'animal est mangé par le Kohen, mais c'est une offrande. Il y a une partie de la bête qui est mise sur le misbeach, qui est brûlée sur le misbeach. Donc il n'est pas obligé de l'élever jusqu'à quel moment? Quand il y avait le temple, non. Quand il y avait le temple, non. Mais s'il n'y avait pas le temple, il y a un problème, le monsieur. Oui. Mais là, on a pris un fidouche. Ça veut dire que quand le berger est né, il n'est pas automatiquement donné au Kohen. Si le berger le garde trois mois chez lui avant. Oui. C'est un fidouche. Parce que jusqu'à maintenant, on pensait que dès que le berger naissait, on le donnait au Kohen. Parce que il n'y a rien qui empêche le berger de lui donner au Kohen. Il peut lui donner un Kohen. Mais le Kohen, je ne l'ai pas forcé d'accepter. C'est pas une chouba. C'est pas une chouba. Mais après trois mois, il n'est plus responsable. Il n'y a pas de problème, il peut le donner au Kohen quand il veut. Et le Kohen, après trois mois, normalement, il se tape énormément de bechor. C'est pour ça que les Kohanim ils sont suspects. Parce que c'est casse-tête. Oh, c'est un peu tôt, mais vous savez quoi? On va lire juste une Mishnah. On a 2-3 minutes. La Mishnah suivante. Behema shemeta lo yazizena mimkoma. Un animal qui meurt pendant Yom Tov. Ça veut dire quoi qu'elle meurt? Ça veut dire qu'elle n'a pas subi Shrita. Elle est devenue donc une Neveila. Alors une Neveila pendant Yom Tov. Lo yazizena mimkoma, tu ne peux pas la bouger parce que elle est mouxée. Fait masser le chalut et Rabbi Tarfon à l'air. Et on avait justement demandé une fois Rabbi Tarfon sur ce cas. Fait à la chala shenitmet aussi sur le cas d'une chala, donc trouma, qui est devenue tamé. Fait nirnas le Beit Midrash. Et lui-même il est entré dans le Beit Midrash. Fait sha'al va angulo lo yezizam mimkomam. Que ce soit la chala qui est tamé ou le nevela, on ne peut pas les toucher du tout parce que tous les deux ils sont mouxés. Maintenant, regardez juste un rachis, et là on arrête. Le rachis sur la Mishnah. Chalash nitma'a. Eina re'uya le kohen hayom. Bon, une chala qui est tma'a, elle n'est pas apte à être utilisée par le kohen aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Elle a été profanée? Non, pas. Non, elle est rentrée en contact avec quelque chose qui l'a rendue impure. Que ce soit un chérez, que ce soit un nida, quelque chose, là, un abatouma, ou même un richon atouma qui a rendu. La trouma impure. Ah, la trouma. La trouma, on parle de trouma. Hopam. Parce que la chala, c'est la trouma, c'est comme trouma. As chala shnitma'a, ena reuya le kohen ayom, deha ba achila asura. Parce que le kohen, il ne veut pas le manger, parce que c'est tamé. Asura le olam, ou ba asaka, ou le tita le kalbo, be yom tov asura. Il ne veut pas utiliser ce chala pour le brûler ou pour donner au chien. Parce qu'une interdiction d'éliminer, de brûler à quelque chose de kadosh, un kodshim, qui est devenu tamé par Yom Tov. Pendant Yom Tov, si on a un kodshim, on a quelque chose qui est kadosh et qui est devenu tamé, normalement qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. Pourquoi on le brûle? Parce que si on le laisse traîner, il y a toujours un risque que un autre kohen va venir et il ne sait pas que c'est tamé, il veut le manger. On le brûle, mais Yom Tov, tu ne peux pas. Va filo yedei achilat behema, même à travers donner ça, manger un animal, on ne peut pas. De kaimelan, shein sorfin kodashim be Yom Tov. On ne peut pas brûler des kodashim be Yom Tov qui sont devenus tamés. Velo teima dafka srifa mishum de havara shelo letzorechi. Ne dis pas parce que c'est interdit de brûler, parce que brûler, c'est un acte qui est interdit Yom Tov, que ça a seulement été permis à cause de Ochel Nefesh. Donc c'est pour ça que non. Si tu avais de l'huile
qui était une l'huile de Trouma, qui est devenue tamée, tu ne peux pas non plus allumer ta bougie avec cette huile en dépit du fait que ce serait permis à cause de Yom Tov d'allumer une bougie. Néanmoins, ici, c'est interdit. Havara le tsoechi, d'adlakat nerbe Yom Tov tsoech achilahi, le muteret, afilu hachi. Néanmoins, en dépit du fait qu'on a le droit d'allumer une bougie ou de brûler de l'huile pendant Yom Tov, parce que c'est lié à Ochel Nefesh, ici, quand on parle d'huile qui tamé, on n'a pas le droit. Le shemen streifa lo. והוא שמן תרומה שנתמת לגזירת הכתוב היא שאין קודשים תמאים מתבארים ביום טוב. Parce que la Torah dit que si on a un espèce de kodshim qui est devenu impur pendant yom tov, on ne peut pas le brûler ou l'éliminer. דרחמנה החשבה להבערתן, parce que la Torah a rendu important l'acte de brûler. דכתיב באש יישרף. Elle dit, tu vas brûler le truc dans le feu. Comme la Torah te dit, tu vas faire cet acte. Ça veut dire que l'acte en question, c'est un acte important dont qu'on n'a pas le droit de faire. C'est quoi? Quel acte? De brûler un kodshim qui est tamé. Donc, ça veut dire que c'est un acte important. C'est une melacha qu'on n'a pas le droit de faire pendant Yom Tov. Hilkach melacha hi. Comme c'est une melacha, on ne veut pas le faire pendant Yom Tov. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle une chala qui est devenue tamé pendant Yom Tov, tu as un problème, tu ne peux rien faire avec. Après Yom Tov, tu peux. C'est quoi après Yom Tov? Après Yom Tov, tu peux prendre par exemple cette chose qui est tamée. Et là, tu peux donner à manger tes animaux.